Le Havre 1er reçoit Dijon 18e. Les Havrais ont quelque peu balbutié leur football ces dernières semaines avec un point pris en 3 matchs, ne leur permettant pas officiellement de valider la remontée en Ligue 1 Uber Eats. Sauf scénario improbable, le club doyen va bien retrouver l'élite quittée en 2009. En face, Dijon est invaincu depuis l'arrivée de Pascal Duprat. 4 victoires et 4 nuls. Des résultats qui permettent d'entretenir l'espoir de maintien au soir de cette dernière journée. Mais il faudra encore capitaliser et espérer les faux pas des concurrents avec Laval et Rodez, un point devant. Ou encore Pau, 2 points devant. Pascal Duprat qui va y croire jusqu'au bout dans cette opération maintien qui lui a été donnée en cours de saison. Et ce sont les Havrais qui tiennent le ballon en ce début de match. Le centre de Christopher Opéry qui est repris par Josué Casimir. La tête du Guadeloupéen pour son deuxième but de la saison. 1-0 pour le HAC après à peine plus de 10 minutes de jeu. Et petit événement puisque les 5 buts précédents inscrits par les Havrais l'avaient été sur coup de pied arrêté. Là c'est dans le jeu au sortir d'une belle action construite et un bon centre que Casimir trompe Baptiste Rennais. Dijon essaye de réagir par la suite avec cette reprise captée en deux temps par Arthur Desmas qui a été élu meilleur gardien de Ligue 2 BKT. 19 buts encaissés seulement cette saison hein, par les Havrais, meilleure défense du championnat. Opéry encore aux avant-postes, le centre cette fois-ci boxé par Baptiste Rennais. Pour le HAC à la mi-temps qui à ce moment-là évidemment valide sa montée. Il ne manque qu'un point pour assurer définitivement la montée et une potentielle 25e saison parmi l'élite pour le HAC à la rentrée prochaine. Les supporters havrais qui n'ont jamais été si proches de retrouver la Ligue 1 Uber Eats. Dijon essaye au retour des vestiaires mais de manière un petit peu désordonnée. Une frappe ici tout de même qui va trouver l'équerre d'Arthur Desmas. Une belle inspiration de Brian Soumaré, la demi-volée. Ah, il était battu hein, sur cette affaire Arthur Desmas. Dijon qui a pris 16 points lors des 8 derniers matchs, seul Metz avec 18 unités fait mieux sur la période. Et Pascal Duprat qui invective ses joueurs pour aller chercher une égalisation. Mais là on a une situation pour les joueurs de Lucas Elsner avec René qui est un petit peu passé au travers. Ensuite un sauvetage devant la ligne, tout sous les yeux de Mathieu Bodmer et Bernard Mendy. On a quelques minutes de célébrer et d'exulter au stade Océane. Attend la délivrance de Monsieur Lissorg. Arthur Desmas qui capte ce ballon, lui qui a été, on le disait, élu meilleur gardien de Ligue 2 BKT. Et dans l'équipe, il y avait également Lekal Sanganté et Richardson. Lucas Elsner, meilleur entraîneur de la saison Ligue 2 BKT. C'est à une délivrance et une satisfaction énorme pour les Havrais. 1-0 pour le Havre qui valide sa remontée en Ligue 1 Uber Eats après 15 ans d'absence. Le HAC champion de Ligue 2 BKT pour la 6e fois de son histoire. Dijon est relégué en national, championnat quitté lors de la saison 2003-2004.